Salut à tous, c'est Sloane pour ce nouvel épisode sur la bêta fermée de Mirror's Edge. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer tout de suite par prévenir que c'est mon ami Iron Crusader, comme on peut le voir, son pseudo qui parcourt partout, qui a filmé le jeu à ma place parce que mon PC n'était pas assez puissant. Et au cours de la vidéo, je vais faire un certain point clé. Je vais faire une sorte de montrer en parallèle certains moments du 1 pour voir les différences graphiques en termes de graphisme et d'image. Et premièrement, on peut voir une autre graphique à, et je vais, à niveau graphique par rapport au premier, comme on peut le voir ci-dessous. Grâce à ça, le jeu a une belle claque graphique pour moi personnellement, mais je ne joue pas très souvent au nouveau jeu. Mais en termes du premier, ça donne une vraie claque graphique, ça donne un vrai renouveau, pour être franc. On va commencer tout de suite par cette nouvelle interface qui, dans mes souvenirs, n'était pas dans le 1. En tout cas, je m'en rappelle plus. Désolé. J'aurais peut-être dû me renseigner un petit peu plus, désolé. Et je vais commencer à vous raconter un petit peu le scénario que vous avez pu entrevoir. Je vais parler par-dessus les dialogues car en plus d'être en anglais et en plus de ne pas être un traducteur professionnel, je vais essayer de vous parler par-dessus. Dans ce nouvel épisode, on va aller dans le passé de Fate, dans ses origines. Encore une fois, c'est à la mode ces derniers temps, Hitman, Tomb Raider et j'en passe. Même si je crois pas qu'il y en ait plus que ça, où je me suis. Je sais, je connais pas plus de jeux, mais pour l'instant, c'est tout ce que je connais. Et on peut voir que le gameplay ne change pas beaucoup. On a toujours ce même gameplay de aller-retour avec la barre espace pour sauter, le parcours qui reste pareil. Et on peut voir que le parcours reste toujours aussi dynamique que le premier. Ce qui est un plus parce que voilà, c'est ce qui a donné quand même vie à cette licence. On peut voir que les visuels de nuit sont beaux en plus. On voit bien toutes les lumières de partout. Je vais pas essayer de vous spoiler le tout. Et on va voir le combat. Parce que pour être franc, je regarde cette vidéo en même temps que vous pour faire le même temps que vous. On a le système d'attaque qui est avec F. Il est plus ou moins similaire que le premier. Je doute qu'il y ait de nouvelles combos. Il y a de nouvelles combos certainement, mais on va pas les voir. Et il y a dans ce nouveau Mirror's Edge l'ajout du multijoueur. Heureusement, on n'a pas pu le tester, même si j'avais deux clés. Car moi, mon PC ne peut pas faire tourner Mirror's Edge malheureusement. Donc c'est mon ami qui l'a fait tourner, comme je vous ai dit précédemment. Et on continue. Et le jeu reste toujours aussi intuitif, où il y a plein de chemins, où là on voit qu'il s'est planté, qu'il fallait aller par là-bas, ou qu'il fallait sprinter pour sauter. Moi j'aurais pensé qu'il fallait passer par le côté. J'hésite parfois parce que je n'ai pas joué certainement au jeu, mais pour l'instant ce que j'en vois, j'aime bien. Ah oui, le gameplay ne prend pas un grand coup, c'est toujours très similaire tout en restant toujours aussi nouveau dans sa recette comme d'habitude, comme au début du jeu. Ceux qui ont aimé dès le début Mirror's Edge pour son parcours l'aimeront aussi, je suis certain. Pour le scénario, je sais pas plus que vous sur le scénario, j'ai pas eu des infos spéciales. Et pour l'instant, on avance tranquillement et on va voir ce qui se passe par la suite. Le commentaire pour cette vidéo ne va pas être fou. Et je vais po Et voilà. Et au début, pour l'instant, ça va, on pratique. On a rencontré un certain Incarus, je pense. C'est lui qui va nous initier dans les messagers. Le travail de l'association, je pense, dans laquelle
Fate travaille dans le 1, et comme on a à ses origines, on doit sûrement rejoindre ça. Et là, on a le premier bug, le premier fail à peu près, car il y a aussi, c'est une bêta test, donc les chargements vont être assez longs, et mais l'optimisation va pas non plus être top top. Et là, on va voir qu'il va réessayer. Cette fois, je pense qu'il va réussir. Il va encore se planter. Oui, il va. Ah non, là. Ça va. La deuxième fois, ça passe toujours. Par la suite, on grimpe comme d'habitude. Comme c'est pas moi qui joue, ça change un petit peu le gameplay. Le commentary aussi. Car c'est du post-prod, je pense. Oui, c'est tourné après. Et le problème, c'est que je n'y ai pas joué personnellement, donc ça change pas mal de trucs. Et apparemment, là, non. Là, ça n'a pas fait le bug. Ça doit être plus tard parce qu'il m'a parlé aussi. Et son avis sur le jeu, c'est que c'est bien. À part l'optimisation qui n'est pas top top. Voilà, c'est lui. Je pense que c'est lui qui va nous dire Icarus. Qui va nous y signer dans les messagers. Et je vais vous laisser. Oui, il n'y a pas de son malheureusement parce que son logiciel il a un bug et il n'enregistre pas le son malheureusement. Donc je vais essayer de mettre une musique sur le fond. Je vais vite mettre. Parce qu'en fait je tape les timecodes pour bien savoir quand il faudra que je mette des images pour illustrer. Donc peut-être vous entendrez le clavier, j'en suis désolé. On peut voir qu'il a fait encore un fail. Et voilà, techniquement, on n'entendra plus souvent les petits clics, clics, clics. Et on peut voir que c'est un gameplay qui dure assez longtemps. Je vais sans doute couper des trucs au montage. Tout en gardant la voix et des trucs pas intéressants, je passe. On va passer tout de suite aux trucs plus dynamiques. Il y a toujours le système de marcher sur les murs et de sauter. Ça reste toujours. Un petit peu comme à la Prince of Persia. Un jour, il faudra que je vous en fasse un let's play. Et pendant que cette vidéo tourne, je vais vous parler un petit peu du futur de la chaîne tant qu'on y est. Car pour l'instant, je vous dis, on a vu un petit peu le gameplay, les nouveaux trucs. Le jeu, il est très dynamique, très beau. Moi, personnellement, moi, dès qu'il sort, je vais l'acheter. Moi, je l'achèterai en tout cas. Je vous conseille pas de l'acheter si vous n'avez pas envie. Moi, personnellement, je l'achèterai. Mais bon, il me faut un meilleur PC pour ça. Et malheureusement, je n'ai pas ça. Sinon, je vous aurais fait le test moi-même sur le jeu. Et là, il commence à. Ça doit être ce moment où il n'y arrive pas. Ah, voilà, il y a réussi. Il a réussi. Dès que j'aurai un PC plus performant, c'est sûr que je vous ferai moi-même les épisodes sur ça. Je crois qu'il va choisir de se battre parce que voilà, c'est plus baston que discrétion, alors que moi c'est plutôt l'inverse. Évitez de chercher s'il a une chaîne YouTube, je vous préviens tout de suite, il n'en a pas. Il va pas aller sur YouTube parce que je lui ai demandé moi-même personnellement et ça ne l'intéresse pas. Donc voilà, on passe à cette question pour ceux qui demanderont. Même s'il a un PC un petit peu plus performant que le mien, certes. Mais bientôt, si tout se passe bien avec les examens qui approchent, parce qu'il faut savoir, je suis toujours. À l'école, donc il y aura des examens de fin d'année, le bac, tout ça. Et je fais pas le bac, mais voilà. Enfin bref, on va passer ça. Et ce qui va se passer, c'est que pendant ces phases-là, la chaîne ne sera pas tellement active, même si on peut pas dire que ces temps-ci, elle est très active. Même si dernièrement, je fais un petit peu plus de vidéos parce que il faut que je reprenne le rythme de la chaîne. Parce que j'ai plein d'épisodes à vous proposer, mais. Malheureusement, pas le temps de les poster et de faire le montage parce que
J'ai la deuxième vidéo sur Hearthstone, la Ligue des Explorateurs, que j'ai réussi, mais il faut que je fasse la voix et que je la rajoute au montage et que je fasse et que j'upload. Vous avez vu les deux épisodes de Dishonored et tout ça. Encore un fail de la part de notre cher ami Iron. Je vais raccourcir son prénom. Enfin, bref. Et même malgré pour une bêta, c'est assez court comme temps de chargement, je pense. Même s'il y en a qui veulent que ça dure 3 secondes, je peux pas les en vouloir. Moi, ça m'intéresse pas trop d'avoir des temps de chargement qui durent moins. Là, je vais essayer de mettre immersion pour faire genre que c'est moi qui joue, mais vous savez que c'est pas moi. Essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Il faut aller dans le building pour suivre, pour s'échapper en fait. Pour l'instant, il faut qu'on s'échappe. Allez, hop, on fait l'équilibre AD, AD. Hop, moi j'aurais dit tout droit, mais ouais, bon. À gauche, à droite, ouais, bon. Enfin, tout droit, tout droit. Et pour l'anecdote, ça me fait penser un petit peu à Deus Ex. Mais un petit peu, en termes d'image de la première personne. Allez, fail. Ça me fait un petit peu penser à ça, malgré que, bon, il n'y a pas des changements cybernétiques, pouvoir se transformer, pouvoir devenir invisible, et pouvoir sortir des épées de ses mains. Mais c'est un petit peu la même trempe en termes de visuel, je crois, oui, c'est ce que je voulais dire. Ça va, les checkpoints, ils sont assez bien. Et malheureusement, ce que mon ami aussi s'est plaint, c'est que pendant le jeu, on a en permanence un petit bêta qui bouge sur tout l'écran. Et là, on entend parler, malheureusement, il n'y a pas le son, mais je vais rajouter une musique tirée du jeu, hein, des musiques qui sont assez connues. Je vais les rajouter au montage pour pas que ça fasse une musique toute nulle, pour fasse genre le vide absolu comme j'ai moi. Et ce sera plus palpitant pour vous que pour moi, logique, plus intéressant aussi. Et pour l'instant, il est en train de parler, je vais essayer de lire et traduire en même temps, mais je suis bon en anglais à moitié-moitié, je vais dire. Right, j'arrive à comprendre plus ou moins ce qu'ils disent, mais j'arrive pas à le traduire. J'ai pas envie de dire de la merde, donc je vais peut-être me taire. Et là, parce que... Ah voilà, et là il y a eu des baisses de fra... de... Des baisses d'FPS. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a un bug. Il n'arrive pas à faire cette attaque. Et je pense qu'il y aura une petite ellipse le temps qu'il y arrive. Parce qu'il a dit que ça lui a pris un petit peu de temps. Petite ellipse. Merci le montage, il a enfin réussi à faire cette attaque. Et là, il y a déjà des... Non, mon écran qui bug, donc... Là, il a déjà dû passer le mur, oui, voilà. Là, il va passer le mur, ou il va encore se planter, c'est pas possible. Ah non, là, il a réussi. Mais ce que vous avez pas, c'est que vous arrêtez 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Où il a fait que du fail. Et là, je pense que ça va être reparti pour ça. Il a un problème. Il a certains soucis à faire des attaques spéciales. Et il a réussi. Mais après, il faxe. Ah. Il a fait planter le jeu. Premier bug. N'essaie pas de te battre. Cours. La chance. Voilà. Mais bon, là c'est. Ah, il a réussi. En fait, c'est des attaques pour mettre deux ennemis dans le mal, en fait. La première fois, il l'a fait dans le mauvais sens. Et je vois en fait ce que c'est comme attaque. Dès qu'on maîtrise une fois, ça passe. À chaque fois, je crois qu'on meurt à chaque fois qu'il fait poif comme ça. Enfin, bref. On va avancer. Là, il y aura sûrement des attaques aériennes. Je ne sais pas si on en avait dans le 1. J'ai joué les 5 premiers niveaux dans le 1. J'ai évité tous les combats, donc...
En fait, là, hop. Ah, voilà, il a réussi. Les attaques de base qu'on apprend. On va passer par ce niveau. Et au final, la vie dans 21 minutes qui m'a donné peut-être va durer que une 17 minutes, ce qui est bien, j'ai envie de dire. Parce que ça fait moins de visionnage pour vous. Surtout, ce ne sera pas la vidéo complète. Bon, c'était Alt to slide, hop. On avance. Et vous avez remarqué que le code couleur de jeu, c'est le rouge. Tiens, je vais vous donner un petit truc. Chaque jeu a son propre code couleur, je vais vous le dire. Ceux de Uncharted, les Uncharted et les The Last of Us, leur code c'est le jaune. Il faut se méfier au jaune pour qu'on ait perdu dans le jeu. Il y aura toujours un truc jaune pour te dire c'est par là-bas. Pareil que dans The Uncharted, là c'est le code couleur, c'est le rouge. Là tu m'étonnes qu'il a passé le mode combat, le tutoriel. Enfin bref, le code couleur dans ce jeu c'est le rouge, évident. Encore des petites baisses d'FPS, mais ça doit être l'optimisation du jeu. Et là, c'est des vraies gardes. Et là, il va tout oublier, il va aller dans le tas. Moi, c'est ce que je ferais. Je suis un spécialiste hors pair. Ou pas tellement. J'aime bien le fait de pouvoir aller sur la gauche et les trucs comme ça. Ça. Comment on peut aller là-bas? Me pose la même question que lui pour ce coup-là, pour ce coup. Mais waouh, les sauts. En fait, elle doit s'accrocher à une barre en fait, parce que à chaque fois je vois des doubles sauts, mais je crois pas puisse faire des doubles sauts. Donc elle doit s'attacher à une barre parce que je joue pas, comme je vous l'ai déjà dit encore une dizaine de fois dans le jeu. Mais je crois qu'il faut qu'il trouve un truc en fait. Ah, je crois que j'ai trouvé en fait. Mais il faut qu'il aille là-bas. Et je crois que cette nouvelle indication rouge, c'est nouveau. Cette indication rouge pour te dire où aller, c'est nouveau. En tout cas, mais vu avant. Dans le 1 en tout cas, dans le Mirror's Edge tout court en fait. Ce qui me fait penser qu'il faudrait que je vous fasse un let's play, ce serait bien. Mais le fait que j'ai eu accès à la bêta fermée, ça m'a plu déjà, parce que comme ça je peux vous faire une vidéo et je sais pas combien d'autres youtubeurs vont faire une bêta fermée sur le jeu. Je pense que cette vidéo va être séparée en deux parties, car je vais demander à mon ami de... Car je pense pas qu'il a terminé toute la bêta, elle se termine demain. Donc je vais lui demander de filmer le reste. Avec de la chance, ça passera. Avec de la chance, hein, parce qu'il faut le temps avec les devoirs, l'école, tout ça. Et il s'est encore planté. Fail. Mais je pense pas que j'aurais fait mieux que lui. Donc bon. Là, on attend qu'il essaye de face, mais là, il devrait y arriver. Hop. Voilà. Et voilà, c'est assez entraînant comme jeu. Je l'ai dû déjà le dire, dynamique. Je me répète parfois dans mes paroles. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est un garde spécial. Oui, ça. Oh. Ça a dû faire tellement mal. Ces vidéos de ce genre-là où je suis en train de commenter une vidéo de mon ami Iron Crusader qu'on voit toujours en permanence, ça n'arrivera pas tout le temps, évidemment. Je ferai même moi-même mes épisodes. Il faut pas commencer à penser complot Illuminati, toutes les parties qu'il fait en fait c'est celle de son ami et il vole son argent, l'argent des précieux abonnés qui le volent. Non, c'est moi qui tourne la plupart de mes jeux parce que je sens que cette question va être récurrente encore une fois. Et là il doit se dire encore ce passage, j'en suis sûr certain quasiment. Enfin bref, on avance. On avance. En fait, le montage, il n'y a pas tellement de trucs à ajouter, pour être franc. Il n'y a pas tellement de trucs marrants à dire ou à faire. Même si le sentinelle nous a complètement éclaté la gueule.
Là, c'est un bug du jeu. Là. Il a réussi à guaquer le jeu, il a réussi à faire un passage complet. On est de retour. Il y a une petite ellipse que vous avez même pas vue, tellement que je suis fort en montage. Et là, on avance dans le niveau. Je me rends compte que mes casques sont toujours aussi inutiles parce qu'il n'y a pas de musique. Ou de son du tout. Enfin bref, je ne sais plus où je m'étais arrêté. Ah oui, je sais, demain. Il y aura la sortie de l'extension, ou après-demain. Je sais plus si c'est le 26 ou le 27. Je pense que c'est le 26, où il y aura un magnifique vue. Non, même excellente vue. Et en plus, je pense que c'est la fin de la bêta, en plus, je sais pas. J'hésite à parler, en fait. Je sais pas si c'est la fin. Si c'est la fin, ce serait bien, parce que voilà. Peut-être c'est pas la fin. Ah non, c'est pas la fin. En tout cas, j'ai demandé à mon ami, à mon collègue, si je peux dire. Même si ça fait trop cheap, ça. De finir la bêta test et de m'envoyer la vidéo. Et sans doute. J'espère très certain, j'espère qu'il va le faire pour pouvoir continuer cette vidéo parce que je doute qu'il réussisse. Parce qu'il me l'a dit qu'il n'a pas fini la bêta. Donc ce que j'ai dit avant était complètement con. Stupide, pas de gros mots sur cette chaîne. Ou seulement qu'on rage. Il y a au début beaucoup de gros mots, mais à la fin je me suis rendu compte que ça servait à rien des gros mots. Ça donne juste l'impression aux autres personnes que je suis. Que je suis quelqu'un qui fait qu'insulter, donc on va plus dire de gros mots, ou très rarement en tout cas. Mission 750 points. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être des points d'expérience. Là, le jeu il commence à ramer un petit peu, mais ça doit être son PC, l'optimisation, la bêta, tout ça. Plein de facteurs qu'il faut prendre en compte et qu'il faut pas prendre en compte pour la sortie du jeu. Peut-être il faut juste talk. J'espère que la musique que j'aurai trouvée au fond vous plaira. Pour l'instant, c'est une cinématique. Je vérifie si le micro enregistre toujours parce que ce serait complètement au-dessus, ça n'enregistre plus. Je vais parler un petit peu par-dessus comme en fait il n'y a pas de son, juste un petit peu de musique, donc c'est pas grave si je parle un petit peu trop par-dessus. Il n'y aura pas les touches, le son des touches. Ce petit son là que vous entendez juste maintenant que je fais exprès de le faire. Parce que voilà. En tout cas. Si vous voulez pas vous spoiler, vous pouvez passer les cinématiques. Même si c'est en anglais, la plupart ne sont pas forts. Nous arrivons pas à lire, je doute que tout le monde puisse traduire. Il parle. Birdman, j'ai vu Birdman à un moment. Aucune idée de ce que ça peut être. En tout cas, je dois encore mettre un petit message à mon ami pour discussion dans la vidéo Thug Life. J'en ai plus rien à foutre. J'ai déjà enfreint la règle. Enfin bref, il y a cinématique dont il n'y a pas grand-chose à dire. En tout cas, c'est envoyé. J'espère qu'il n'y aura plus de son qui pourra vous gêner. Et s'il y en a encore, je suis désolé. Oh. L'équipement. Le vrai équipement, celui que tout le monde connaît, celui que tout le monde sait. Le vrai équipement de Fate. Je ne me souviens pas des lunettes pour être franc, mais. Et ça va être ça.
Il y a un arbre de compétences. Intéressant. Je pense, je sais pas si on avait dans le premier. Pour dire, je jouais que quelques niveaux hein, pour le premier. Honte à moi, honte à tous. Mais je préfère un let's play découvert dessus. Mais je vais attendre un petit peu parce qu'il y a quelques let's play qui sortent ces derniers temps. Donc je vais attendre un petit peu. Il va y avoir des dialogues qu'on n'entend pas à ce moment-là, je pense. Sans doute, très certainement. To Birdman. Vous aussi, ça vous fait penser au film qu'il y a eu. On va attendre, on va voir. Et il y a plein, il y a des collectables. On a pu le voir pendant quelques secondes. Il y avait des notes, des trucs comme ça, mais j'ai pas pu tout voir. J'ai vu juste les notes rapidement. C'est le moment où on se demande comment on va sortir. Je pense qu'on peut sortir par la fenêtre. Je pense que c'est par la fenêtre qu'il fallait sortir. Voilà, il faut avoir quand même du cran pour faire ça. C'est pas moi qui ferai ça. Mais bon, en même temps, c'est un jeu vidéo, donc ça n'a pas rapport à ce que je dis. Mais j'ai l'impression. Je vais un petit peu déplacer le micro. J'ai l'impression que comme ce personnage, Henchwoman, sont des personnages qu'on rencontre dans le premier Mirror's Edge. J'en suis même presque sûr. Mais je sais pas vraiment, parce que comme je vous ai dit, ça fait longtemps que j'ai joué, que j'ai pas fini le jeu, et que je ne faisais pas attention au scénario. Le petit mur utilisé à côté, magnifique. Et je pense que les trucs rouges, en fait, ça s'explique grâce aux lunettes super high-tech. En tout cas, on voit le petit point. J'espère qu'il est... Je sais pas si on peut se faire détecter par ce truc. Là, normalement, il y aurait dû y avoir des dialogues. Dialogue. Il n'y en a pas parce qu'il y a bug son. Qu'il y aura de la musique. Comme il lui a coupé la face. On a pu voir. Moi, j'ai vu un petit truc. Il n'y a pas de l'aliasing parfait, parfait. Peut-être des le graphisme, optimisation, nouveau truc, machin, vidéo. Vous connaissez la chanson à la fin. Parce que je vais pas descendre le jeu de dire wow, il est moche, wow, il lag, wow. Alors que c'est juste une bêta en fait. Donc. Je suis pas comme ça, évidemment. Il faut grimper là-bas, puis sauter à côté. Voilà. Hop. Je pense. Ah, voilà. Je sais pas. Ah. Hélas. Ah, voilà, les collectables. Secret bag. On avait aussi dans le 1 ça. Les secret bags. Et moi, j'ai cru que l'objet, on pouvait le ramasser parce qu'il y a eu le petit message de la bêta. Enfin bref, on va voir, hop, talk to the machin, hop. Et là, il a bien fait plaisir, il nous a montré un beau visuel des pigeons aussi, donc. Je pense qu'il y a 4 missions et que ça c'est la deuxième. Je pense que, je sais pas en fait. Là, il essaie de traduire l'anglais, je pense. Je pense qu'on n'a pas toute la cinématique en entière. J'essaie d'éviter de parler, mais en fait, je me rends compte que vous avez pas le son. Encore une fois. Et je pense que vous n'aurez pas la fin de la cinématique. En tout cas, c'est pas grave. J'espère que ça passera tout ça, tout ça, tout ça. Demain, la deuxième aile sortira, j'espère. En tout cas, non, pas demain. Mais en tout cas, après-demain. Après-demain ou dans cette semaine, il y aura l'épisode de la deuxième aile de la ligne des explorateurs. Et dans la semaine prochaine, il y aura la troisième aile. Non, c'est pas l'avant-dernière, c'est
L'avant. Non, si, c'est la dernière. L'avant-dernière, elle. Et il me manque, je crois, une, je sais pas, 600aine de pièces d'or. Aucune idée pour être franc. J'ai cru qu'il allait sauter sans faire attention. Et au final, vous avez eu le temps de voir la fin de la cinématique. Et ça s'arrête ici. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais faire une petite conclusion là maintenant. Ça va pour l'instant, pour moi c'est assez positif le jeu, malgré ce que c'est une bêta. C'est beau, fluide. Il n'y a rien compris, donc je peux pas dire. On peut voir qu'il y a des défis. Intéressant, les défis. Je me demande ce que c'est comme défi. Je crois qu'il n'a pas compris ce qu'il fallait faire, comment il a abandonné le truc assez rapidement. C'est par là qu'il fallait aller. Je crois qu'il s'est perdu en chemin en fait. Oui, perdu en chemin. Enfin bref, il a laissé cette vidéo en plan sur ce petit fail. Là, je vais essayer de trouver une image pour combler le tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos sur la chaîne. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Un rouge si c'est l'inverse. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour donner des astuces pour améliorer mes vidéos. Allez, salut à tous. Ciao bye.